إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى، قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم نسأل أن يرزقنا التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، نحن اليوم ما أحق الثامنة؟ الحق الزوجة على زوجها، المعاشرة بالمعروف، وهو من حقوق التي أمرها الله بقوله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في سورة النساء. عباد الله، حق الزوجة على زوجها في نفسها، والنفقة عليها واحترامها، والرعاية حق الله فيها، والمراءة ضعفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خير. عباد الله، سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يطعمها إذا طعمت، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب وجهه، ولا تكبي، ولا يحجر إلا في بيت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه الإمام مسلم. عباد الله، فالزوج مسؤول عن زوجته يوم القيامة أمام الله، لذا يعلمها أمر دينها إن جهلت، وأن ينصحها إن خالفت، وأن يكومها إذا عوجت، وإذا رأى منها خيرا ثبتها عليه، وإذا رأى سلوكا سيئا صرفها عنه وذكرها ووزعها. عباد الله، فالله الله بنسائكم أوصيكم بهن خيرا، فإنهن الزوجات وأمهات وأخوات والبنات، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائكم، فإن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب مجيب دعوات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لوجه الله سبحانه وتعالى. نرمسيو على ألف نعمة. بلا بنديسيون لله سو لي ميساجي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés en islam, chers sœurs, le khutba nous interpelle envers la crainte d'Allah. De craindre Allah, d'obéir les recommandations d'Allah. Allah exhorté nous dit: en vérité, j'ai pensé ceux-là qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous les musulmans, en état Allah, et craignez-moi Allah. Voilà pourquoi nous les plaignons, nous les demandons, et que Allah nous accorde la crainte de tous.
Chers frères aimés, aujourd'hui, dans la permission de Allah, nous sommes dans le 8e droit qui concerne le droit de la femme sur son mari. Oui, droit de la femme sur son mari. Quel est le droit de nos épouses sur nous, les hommes? Allah exhorté, il a parlé ça dans le Coran comme le prophète a parlé ça dans les hadiths. Mais les savants ont dit, le droit d'une femme sur son mari, de vivre avec elle dans les bonnes situations. Sans torture, sans mauvais, sans la faire du mal. Ma'ruf. Et là, du coup, à mes propos qui a l'été de vivre avec la femme dans les bonnes situations, c'est une droit. Amar Allah, c'est Allah qui a répondu. Qu'un homme doit vivre avec sa femme dans le pays. Parce que lui qui est en haut, il nous conserve. Et il va nous interroger pour ça. Allah nous dit dans le surat al-Baqarah, surat al-Nisa, Allah dit, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah dit, vivez avec les femmes dans le pays, dans le pitié, dans l'amour. Allah dit, fa'in karihtumuhunna. Si tu la détestes, peut-être elle a certains manquements, peut-être elle a certains choses qu'elle n'arrive pas à remplir dans tes conditions que tu la détestes. Allah dit, fera ça, peut-être, en tant que ma prochaine, tu peux détester quelque chose. Mais les choses que tu détesteras, les choses que tu détesteras, il te parle de ta femme, que aujourd'hui tu es là, bavé avec elle. Il t'adresse à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, ça fait 3 jours, tu ne parles pas avec ta femme. Une semaine, tu ne parles pas avec elle. On t'a dit pardon, tu as refusé. Allah dit peut-être. Elle que tu es en train de détester, Ayyadi Allah, fihi khayran kasira. C'est sur elle que Allah va amener beaucoup de bonheur que tu attendais, mais tu ne connais pas. C'est sur la femme là que tu détestes, c'est là peut-être tout ton bonheur va venir. Pour cela, chers frères, soyons humbles avec nos églises. Supportons. Les femmes que vous voyez, c'est des choses, c'est les gens que Dieu les a créés, sont tellement faibles. Dans un hadith de prophète Mohammed, Dieu l'a créé avec le côte le plus tendu. Et si toi tu dis ta femme, tu veux qu'elle soit comme règle, tout toi, Kassantaha, c'est pour la casser. C'est-à-dire tu vas divorcer avec elle. Le prophète a dit la femme ne sera toujours tout toi comme tu veux. Il faut rester patiente avec elle comme ça. Toujours, il faut la conseiller. Chers frères, à l'islam, on dit Hakku Zawdata ala Zawdiha. Le droit d'une femme sur son mari, premièrement, fi nafsiha, sur sa personne. L'homme, tu dois considérer la personne de ta femme. Faut pas manquer l'aspect de ta femme. Faut pas, chaque moment, tu vois ta femme comme elle est misérable. Les choses détestées. Quand tu la vois maintenant, c'est fini, tu es en colère. Mais ne fais pas ça, papa. Respecte-la. Et il faut dépenser sur elle. C'est le droit de ta femme que toi, elle, tu dois dépenser sur elle. Son outil, ses habillements, ses beautés, sa santé, c'est son droit. Et il faut la respecter. Il respecte ta femme. Et il faut surveiller le droit d'Allah sur elle. C'est toi l'homme qui va contrôler l'adoration de ta femme. Les femmes, c'est des gens, quand vous les donnez le temps, elles ne vont pas adorer Allah. Ça veut dire que toi l'homme, toujours vous méfier. Madame, tu as prié? Madame, tu as remboursé ton ramadan passé? Madame, lundi, il faut que nous allons gérer. Madame, lève-toi la nuit. Madame, merci, ainsi. Et tu l'as. Le droit d'Allah, il faut la surveiller. Et il faut toujours savoir la faiblesse de la femme. Elle n'est pas au même niveau comme elle. Elle est toujours la femme. C'est des gens qui sont faibles.
sache que c'est elle est tellement faible dans ta maison. Elle n'est pas comme toi, non. Vous n'êtes pas dans les mêmes positions. Voilà. À cause de ça, il y a pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed, il nous dit, Khayrou, meilleur parmi vous les hommes. Khayrou le Ahri. Le prophète a dit meilleur parmi les hommes, c'est l'homme qui est bien avec ses épouses. C'est l'homme qui est bien avec sa femme, c'est lui qui est meilleur. Même si c'est dehors, au marché, dans ton bureau, dans ton société, partout, les gens sont en train de parler, tu es bien, si au niveau de ta femme, tu es assumé, tu n'es pas bien. Haïroukoum, c'est comme ça le prophète. Il a dit, moi, prophète, je suis bien avec mes épouses, sans qu'on va parler qu'elle a reçu. Oui, soyons bien avec mes épouses. C'est ici que je vais permettre pour augmenter quelque chose. Chers frères, au dehors, tu es capitaine. Au dehors, tu es général. Au bureau, tu es président de la République. Au dehors, tu es imam. Au dehors, tu es oustad. Au dehors, tu es. Mais quand tu es devant ta femme, tout le poste la cause du président. Ta femme ne connaît pas ça. Elle connaît que tu es quoi? Son mari. Point. Très. Mais si tu veux que ta femme va te dire, toi tu es général, ça ne peut pas passer au bout. Ta femme va dire, tu es imam, ça ne passe pas. Ta femme, lui, tu es son mari. Respectons les femmes et vivons bien avec elles. T'as vu, on a dit sur le prophète, Wakala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, Istansou bin Nisa'i Hayra. Le prophète a dit, soyez bien avec les femmes. Vivez bien avec les femmes. Faisais tout et tout quand tu n'es pas là. Ta femme veut que tu sois là. Quand tu es absenté, elle sent manquement dans sa vie. Quand tu es absenté, elle sent vide dans la maison. C'est ça qu'on appelle bon, un homme. C'est le droit de nos femmes sur nous. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On est trop méchant à côté des femmes. Certains parmi nous, donc, ils torturent les femmes. Ils méprisent les femmes. Ils font du mal les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, certains hommes, ils ont vu que les femmes sont déceptions les armes. C'est-à-dire, ils sont détestés les hommes. Là, il y a quelque chose. Chers frères, un homme est venu chez le prophète Mohammed. Sa'ala Rasulallah. Un homme a demandé le prophète, ma haqqu mar'atun ala zawji. Le monsieur dit à Rasulallah, quel est le droit de nos épouses sur nous, les hommes? Ici, ça va sortir clair. C'est le prophète que quelqu'un demande, quel est le droit de nos épouses sur nous? Quel est le droit de ma femme sur moi? Quel est le droit de vos femmes sur vous? Nous tous en général. Le prophète a dit, haqqul mar'ata ala zawjiha. Le prophète a dit, le droit de la femme sur son mari, an yut'imaha idha ta'imat. Le prophète a dit, il faut la nourrir, donne-la la manger quand tu manges. Écoutez le mot. Il n'est pas dit, il faut la faire manger après de manger. Non, il a dit, quand tu manges, il faut faire manger ta femme. C'est-à-dire, ce n'est pas bon toi, non. Quand tu te réveilles, tu vas manger. Rien, petit déjeuner, midi est là, le soir est là. Mais tu ne sais pas, ta femme, elle a mangé, elle n'est pas mangée. Là, tu as bafoué les droits de ta femme pour toi, là, va te demander un mariage. En tout cas, le prophète a dit, donne ta femme à manger dès que tu manges. Ça, c'est premièrement. C'est le prophète qui dit de toi de nos épouses. Deuxième, le prophète a dit Wahantaksuha Isaktasa. Il faut habiller ta femme quand tu t'habilles. Majorité parmi nous les hommes, beaucoup ne connaissent pas d'où vient l'habillement de leurs épouses. C'est l'homme qui doit habiller sa femme. Tu l'as bien fini quand elle s'habille, tu vas l'encourager encore.
mandat que tu as fait. Alhamdulillah, je remercie Dieu qui m'a donné qualité de toi comme ça. Machallah. C'est comme ça, ça se passe dans la maison. C'est toi qui vas l'habiller. Le prophète a dit, habille-la quand tu t'habilles. Nous, nous sommes là, nous changeons des bassins. Nous changeons des costumes. Nous changeons des cravates. Nous changeons. Tu as changé pour ta femme. Le prophète a dit, quand tu t'habilles, il faut habiller ta femme. Cela dit que la beauté de ta femme se trouve dans ton recherche. Quatrième, le prophète a dit, voilà, tabourou, wadiha. Parmi les droits des femmes, c'est interdit. On ne frappe pas visage d'une femme. Vous avez compris? Jamais, il faut jamais soulever ta main là. Tu frappes le visage de ta femme. Ta main là, c'est interdit. Le prophète a dit, voilà, tabourou, wadiha. Parce que nous, les hommes, quand on se lave, certains même les hommes, on ne regarde pas le miroir. Dès qu'on se lave, tu as parfumé ton corps, machallah, tu as arrangé ton bain, tu t'habilles, tu sais que tu es beau. C'est le gars prêt à aller, il a dit, il va me payer comment, machallah. Mais la femme, qu'elle finit de vous laver, elle va rester à côté du miroir, inévitable. Certaines femmes deux inévitables. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle va regarder en haut. Tout ça, là, c'est le visage qu'elle regarde. Toi, tu n'es pas vu là où tu vas frapper, c'est là-bas que tu vas frapper. Le prophète a dit, c'est bien. Ça, c'est le droit de ta femme. On ne doit pas frapper son visage. Voilà, t'as dit, voilà. Ça, c'est le troisième. Quatrième, le prophète a dit, voilà, ton capi. Tu as compris? Si tu connais certains défauts sur ta femme, le prophète a dit, il ne faut jamais l'insulter avec ça. Chaque personne, nous sommes manquants. Ta femme, elle a certaines faiblesses sur elle. Il ne faut pas un jour, tu vas dire, voilà, comment? C'est-à-dire, vous comprenez ça? Tu vas les souder avec ça. Voilà ton cas, jamais. Il faut jamais dire ta femme que tu n'es pas belle. Le jour que ta bouche a ouvert, tu as dit ta femme que tu n'es pas belle. Ou tu vas qualifier une femme devant ta femme. Celle-là, elle est belle. Il y a deux manières. Tu peux tu n'es pas dire ta femme qu'elle n'est pas belle. Mais quand tu dis celle-là, elle est belle, c'est comme tu es en train de dire ta femme qu'elle n'est pas belle. Si ça prend dans le cœur de ta femme, c'est fini, toi avec elle, tu ne vas plus sentir de rien. Le prophète a dit, voilà, en tout cas, il ne faut jamais dire ça. Il faut cacher ça dans ton cœur ici. Voilà les droits de la femme. Quatrième, cinquième coup. Quatrième, le prophète a dit, voilà, yahadou, il a fibé. Si tu as des discussions avec ta femme, le prophète a dit, il ne faut pas sortir avec le monde. Vous savez, il y a certains hommes, dès qu'il a le problème avec sa femme, ils disparaissent. Certains même, ils peuvent dormir chez leur maîtresse, haram. C'est pas vrai. Certains aussi, ils disparaissent s'il a deux femmes. Dès qu'il a bagarré avec celle-là, or que c'est le tour de celle-là, alors il prend son roi, quand il sort, il part dormir sur le tour. Tu as vu le matin, depuis la nuit que tu as dormi jusqu'à le matin, tu es dans le couloir de là, parce que tu as bouffé le droit de celle-là. Même si vous parlez, tu vas rester dans la chambre. Si vous avez le bagarre, quand vous dormez sur lui avec elle, il faut descendre à terre. Si elle te suit à terre, tu montes en haut. C'est une femme qui va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu dis, tu m'as fait tant, voilà pourquoi je suis en colère. Si c'est une femme qui veut paradis, elle sait comment elle va te flatter. C'est comme ça qu'on appelle le mot flatter. Jusqu'à tout le bien en raison. Ils ont cette possibilité si élevée. Elle t'amène sur la raison. Et ça passe. À cause de ça, on ne doit pas la quitter dans la chambre. Voilà le sens et le plan de ta femme. C'est le prophète qui a dit. Diable, il nous dit le prophète Mohammed, il nous a tenu le serment. Al-Hajjatul Wada. Le hadith du prophète de Oruba. Parce que dans la vie du prophète, il a fait hadith une seule fois. Quand le prophète, le jour de Hajj, le prophète a tenu le khutuba. Le khutuba international qui dépasse tous les khutuba. Dedans, Jabir a dit
que le prophète, en parlant sur les droits des femmes, le prophète a dit Walakunna alaykum rizquhunna aqiswatuhunna bilma'ruf. Il a dit vos épouses, les femmes, ils ont les droits sur leur mari, leur droit nourrir, risque, vous donnez leur à manger. Nourrissez vos femmes bien. Ne laissez pas, vous avez l'argent. Les femmes ne mangent pas dans la maison. Dans les trucs. S'ils ont besoin de quelque chose, tant que ce n'est pas haram, mangez. Qu'il soit pour vous, le prophète a dit c'est les droits des femmes sur leur mari, l'air qui soit, l'air habillement. Tant que ta femme a besoin de l'habillement, tu as le moyen, paye. Sauf qu'il ne faut pas payer ce qui est haram. Et quand tu vas payer aussi, il faut distinguer ta femme. Tu as dit tel habillement, c'est l'habillement de la maison. Tel habillement, c'est l'habillement qu'on porte au dehors. Nous, nos femmes ne peuvent pas porter mini-jupe de sortir dehors, c'est haram. Ou l'habillement sans manche de sortir, c'est haram. Ou l'habillement qui est transparent pour sortir dehors, c'est haram. C'est haram au dehors. Mais ce n'est pas haram dans la chambre quand tu es avec quelqu'un. Là, quand tu payes des habillements, il faut payer des habillements. D'une manière, ça là c'est pour faire sortir dehors, ça là c'est pour rester dans la chambre. Parce qu'il y a certains habillements, quand la femme porte ça dans la chambre, là, ça te parle. Et quand tu as la soirée, tu écoutes, toi-même tu vas comprendre ce que ça dit. Des choses comme ça, c'est à toi de payer. C'est le droit de la femme. Mettez la joie dans le cœur de vous opposer. C'est comme ça le prophète Mohammed. Ça c'est l'imam musulman qui a mené. Le goût va nous orienter, chers frères, Ibadallah. On nous dit, Zawj, toi le mari, Maskour al-Zawjatihi, Amam Allah Yawmakiyah. Toi le mari, nous les maris, Allah va nous demander sur nos épouses, Yawmakiyah. Chaque homme, Allah va t'interroger comment tu as vécu avec tes épouses ou ta femme. Allah va te demander. Certains hommes, ils vivent au dehors. Ils rigolent au dehors. Même si tu es là-bas, tu attends à savoir comment ils discutent avec les autres, ils rient. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ne rient pas avec sa femme. Ils ne jouent pas avec sa femme. Dès que maintenant, on ne peut pas, ils se lèvent. Écoute, tu es comme ça. Ils nous rendent. Si je t'en fais comme ça, tu le dis pour ta maison d'abord. Mais Allah dit va se c'est ta femme. Tout homme qui n'est pas humble avec sa femme, le prophète a dit tu es fou. C'est le prophète qui t'a exclu, c'est pas moi, Abdel Fattah. Ton prophète Mohammed, il a dit Khayrukum, Khayrukum, les Ahal. Meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur avec sa femme. Fais des choses que même si tu es au marché, ta femme t'a fait téléphone. Téléphone sont tout ça, madame. Oui, allô. Il y a là, il sait comment va le marché. Non, je t'ai appelé, c'est pour éviter ton personne. C'est pour ça, c'est pour un mariage, machallah. Mais tu sors le matin jusqu'à le soir. Même si tu n'es pas rentré, la femme ne demande pas. Aujourd'hui, dans nous, maintenant, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu as rentré où? Tu n'es pas rentré où? Ça va où aller, comme. C'est pareil. Parce qu'il n'y a pas la joie. Certains femmes même, ils demandent à Allah qu'est-ce que le mari n'est qu'à sortir pour être libre. Il y a certaines femmes, dès que le mari rentre, le cœur commence à battre. Elle a peur. Quand on parle des hommes, certains ont dit, oui, non, la femme, quand tu te laisses aller, la femme va te dominer. Mais mon frère, la femme t'a déjà dominé. Il n'y a pas homme que la femme ne te domine pas. Ta maman qui t'a mis au monde, même ta maman ne peut pas te dire, il faut déshabiller aujourd'hui. Mais ta femme te fait comprendre. Ta femme te fait. Ta femme te fait, tu vas déshabiller, pam, comme tu dois sortir dans le ventre de ta maman. Mais elle t'a délivré. Tu me vois, non? Ça à cause de ça, Allah dit Ashurukun Nabel Ma'ruf, on n'est qu'à vivre bien avec les femmes. On dit on va nous interroger sur nos épouses. Après de ça, évitez bien. Le coup, toi, t'es dit comme on va nous interroger sur nos femmes, voilà les grandes responsabilités. Ayo Al-Bimoha Amurdiniha. Il faut enseigner ta femme l'affaire de la religion. Beaucoup d'entre nous s'en foutent de leurs femmes au niveau de la religion.
Et c'est après ça, quand la femme ne connaît pas l'islam, elle ne peut pas connaître son droit, ni son droit, ni le droit de Allah qui a créé, même ni le droit de ses parents, elle ne peut pas connaître. Il faut que les femmes, on les enseigne l'islam, de connaître la loi de l'islam. En yu alimu ha amru diniha. In jahilat, si elle est ignorante. Mais si tu as marié la femme qui connaît, alhamdoulilah. وأن ينصحها إن خالفت. Il faut conseiller ta femme. Si elle est en erreur, il faut la conseiller. C'est conseil, ce n'est pas grand. Si elle est en erreur, il faut la conseiller. Le prophète a dit non, si il faut la conseiller. Et on conseille l'homme aussi, ça fait comme un lien. Ta femme, elle a fait quelque chose en erreur, en public. Il ne faut pas laisser en public, tu la prends. Tu la prends, tu la minimises. Ou devant tes enfants, ce n'est pas bon. Laisse-la quand tu es seul avec elle. Un moment même, il faut la faire quelque chose qu'elle est contente. Après, tu dis, hey, tu sais quelque chose que tu as fait comme ça, ce n'est pas comme ça, ça doit passer. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a dit, wa ayyan sa'uha in halafat. Si elle a fait contraire, il faut la conseiller. Wa an yuqawwimha idha a'wajat. Si elle est tordue, il faut la adresser. Si elle est tordue, il faut la adresser. On adresse la femme avec la patience. Et il a dit, فَإِذَا رَأَوْ مِنْهَا خَيْرًا سَبَّتَهَا عَلَيْهِ. Si tu as vu que ta femme, elle fait du bien, il faut l'encourager. Quand ta femme fait du bien, encourage-la. Vous ne voyez pas qu'il y a un moment où le gouvernement décore les gens. On va les décorer. Donc. Vous avez bien travaillé. Toi aussi, il faut décorer ta femme. Quand ta femme, elle fait du bien, encourage-la. Un jour, tu viens avec quelque chose qui surprend, capot qu'elle ne passe même pas. Cherche à connaître dans la vie de ta femme, elle aime quoi? Elle souhaite d'avoir quoi? Les choses qu'elle a besoin, elle n'est pas d'avoir. Si tu as le moyen, va payer ça. Masha'Allah, tu viens, madame, ferme les yeux, tu la donnes. C'est le cadeau qu'elle attend. Masha'Allah, tu dis ça, c'est ton cadeau. Tu es bien avec moi. Tu fais bien, continue comme ça. C'est comme ça qu'on encourage les femmes. J'ai prêché dans la mosquée un jour, j'ai dit, on doit faire cadeau à des femmes. Il y a un papa qui m'a dit, ça aussi, ça vient d'où? Il m'a dit, ça vient d'où? Tout ça. On ne connaît pas ça. J'ai dit, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est le prophète qui a montré son moment à dire ça. Ça arrange la peau. C'est nous qui avons laissé que les blancs ont pris. Nous, là, c'est pour nous. Quand nous, on ne pratique pas, les blancs ont pris. Allah facilite. Il a dit, wa in ra'a suluk sayyi'a sarafaha anhu. Si tu as dit que ta femme elle a certains mauvais comportements, fais l'effort de garder le mauvais comportement la soirée avec la sagesse. Et wazakaraha, et tu vas la rappeler, ou wazaha, tu vas la prêcher. Voilà comment on reste avec les femmes. Ce n'est pas imbécile, tu es mal éduqué. Si je savais comme ça, je ne devais pas te marier, c'était pareil que ton mari. Ta femme te prouve quand même quand tu l'insultes, tu insultes papa, tu insultes maman. Allah, Allah. Allah dit, voilà, on n'a mis sur le lèvre de Ali, il n'a pas le ma'ouf. Les femmes, ils ont même droit comme nous les hommes, dans le bien. Tu veux que ta femme te félicite, il faut la féliciter. Tu veux qu'elle te respecte, il faut la respecter. Tu veux qu'elle va te considérer, il faut la considérer. Tu veux qu'elle a pitié de toi, toi, tu vas pitié de elle. C'est comme ça se passe. À la facilité. À la clôture de vos toits, on le dit par Allah. Avec Allah, sur l'islam, sur les femmes. Aussi pour que je vous conseille, chers frères. Soyez bien avec les femmes. Faïm Abun, les femmes que nous voyons dans nos maisons, Zaudia, tu seras nos épouses. Aujourd'hui, si on t'appelle maman, papa Abdullah, on t'appelle papa Ibrahim, c'est grâce à Allah, seulement c'est à cause de elle. C'est à cause de elle. Aujourd'hui, le nom qu'on vous a surnommé dans les quartiers, le nom de vos enfants là, si c'est pas ta femme là qui tu l'as parlé, tu devais gagner l'enfant là pour moi. C'est tes épouses, c'est ta femme. Ils ne sont pas des anges. Ils ont leurs défauts, mais à nous de les respecter comme ça. Voilà, Ummahat, ils sont des mamans de nos enfants. Voilà, Akhwat, après ça, ils sont des sœurs à l'islam.
Nos femmes, ils sont les sœurs dans l'islam. C'est une musulmane, elle est ta sœur. Et donc, le mouminoune est quoi? Et après, Walpanan, tout, ils sont une fille. La manière que tu ne veux pas que si ta fille est mariée, on va la maltraiter, on va la faire du mal. Il faut conserver la fille de quelqu'un. Alors, après que quelqu'un aussi va conserver ta fille comme ça. Voilà un peu les droits de nous et tous sur nous. Ça veut dire ça, toute personne qui a le moyen, ne fais pas souffrir ta femme. Il faut la bien loger. Arrange la place pour elle. Soyez bien avec les femmes. Il n'y a pas sur la tête quelqu'un qui dépasse le prophète Mohammed. Un jour, le prophète a appelé Aïcha. Il dit Aïcha. Il dit alors, on sort pour prendre du lait. Oh, Allah pardonne. Sortons, allez prendre du lait. Quand ils sont sortis avec Aïcha, le prophète a dit nous allons pour lui voir qui est plus rapide. Ce moment, Aïcha, elle est jeune fille. Elle n'est pas encore avoir le poids. Le prophète a dit, un, deux, pas, ils sont décollés. En même temps, Aïcha a dépassé le prophète Mohammed. Elle a sauté, elle a la joie, elle dit, j'étais dépassé. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Ça arrivait un moment, le prophète a dit, que maintenant, elle a pris le poids. Le prophète a dit, Aïcha, sortons. Ils sont sortis, pas que le prophète a dit, on va essayer de couler encore pour voir qui dépasse. Ils ont déclenché, le jour le prophète l'a dépassé. Elle s'est bien payée. Ça concerne les femmes. Le prophète a dit, fait le cas. Le premier, c'est toi, au début, c'est moi. D'où vient la circonstance, ça se passe. Comme le prophète a dit qu'elle s'est levée, je l'ai venu l'attraper et elle a consumé pour que surtout ça passe. La femme, c'est comme ça, chef frère. C'est le droit de ta femme. Tu rentres à la maison, tu vois qu'elle est en colère. Son visage est serré, elle est tranquille. Demande-la, madame, qui suis-je, papa? Mais nous, oh! La pardonne. Tu rentres demander ta femme, il y a quoi? Non. Là, si tu n'es pas mis la serre, tu vas demander pourquoi tu n'es pas préparé. Mais tu vois que ta femme, elle est génie. Approche la madame qui suit le papa. Même si tu n'as pas la solution, mais tu as la bouche de la carrière. C'est le droit des femmes. Il ne faut rien que quelque chose grand auprès de nous avec une bonne parole, bon accueil. Bon amour, chers frères. Dans nos maisons, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes mieux de vous parler des choses qui se passent dans les femmes. Vous savez, nous, les femmes viennent chez vous, de nous pour parler, pour qu'on les prenne les conseils. Soyez bien avec nos épouses. Parce que le prophète a dit au Allah va nous interroger. Respectons les droits des femmes. Ne les maltraitez pas. Ne les torturez pas. S'ils sont en erreur, conseillez-les avec respect. Essayez de les amener sur la raison avec la sagesse. Que Allah nous pardonne. Que Dieu nous accepte. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim. Wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheera. Alhamdulillahi rabbil alamin.